me suis bien installé. Maintenant, je vais être capable de viser sur sa tête. Alors, c'est notre première soirée à Rome. Mais enfin, on n'est plus à Rome. On est à côté de Rome, à peu près à 1h30. Il y a beaucoup de mouches. C'est un petit village à Antidonia. Et c'est honnêtement tellement beau. C'est comme des pâtes. C'est des pâtes très, très, très bons. Je vais les mélanger un petit peu. Et toi, tu manges quoi? Il faudrait que vous sentiez ça. C'est des raviolis aux épinards et à la truffe. Et c'est trop, trop bon. Ça sent trop bon. J'ai pas encore. T'as l'air heureux, hein? Là, on a très bien mangé. On a décidé maintenant d'aller où? Sur le bateau. Paco, il vient avec nous aussi. Hein, Paco? Oui. Non? Regardez la vue. C'est beau. Le bateau est là. Let's go. C'est génial. J'ai tellement envie de me baigner. C'est un peu compliqué parce que le petit bateau ici il va nous emmener là-bas et on est trop. Alors il faut faire comme deux tours. We are too heavy, hein? Alors on est arrivé, c'est un challenge, hein? Ouais, c'était très drôle parce qu'en fait le bateau est tellement petit qu'à trois on calait presque, donc il fallait vraiment comme ça bouge. Petit à petit, mais on est arrivé. En plus la distance est vraiment courte, mais... Et maintenant, voilà. Il faut que je cherche ma soeur et une copine. Ça va aller vite. Ah, finalement, elle a décidé de nager. Andrea vient seule. Très bien. Waouh, c'est trop beau. Wow, je suis presque tombé. Ça, c'est la villa dans laquelle on est là. Là. Et nous, on va aller maintenant quelque part ici, sur une île. Je sais pas encore. Vous allez découvrir dans quelques instants. Là, on est à l'intérieur parce qu'il bouge tellement, c'est un truc de dingue. Ça, c'est la cahute. Là, c'est Karl qui arrive. Je montre la petite cuisine. Voilà, pour faire des gâteaux et des choses et un peu de place. Ma soeur est venue pour me donner un peu de crème solaire. Coucou! On est arrivé sur l'île. On va monter maintenant. Ils sont beaucoup plus vite que nous. Nous, on a pris du temps. Parce que nous, on fait des photos derrière. Ouais, on a fait des petites photos Instagram. C'est trop beau là, le coucher de soleil. Oui. Thank you.
C'est beau. T'as fait ta petite Insta story? Oui. Faites un petit resto. Waouh. Voilà, on va rejoindre ma soeur et mes amis. Je déménage, c'est bon. Gap. En fait, il vient de nous expliquer que ça c'est la Elbe. On dit ça comme ça en français? Elba. Ça c'est Monte Cristo et là derrière, il y a comme Corsica. Voilà, maintenant on a compris qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu t'es fait piquer par des moustiques? Il y a des mosquitos là, des moustiques partout. Ça c'est le troisième qui m'attaque en 5 minutes. On est marre, ça me cache tout. Ils viennent tout juste d'allumer le phare. Voilà, comme ça on va retrouver notre chemin. J'ai décidé de monter pour voir si on pouvait pas trouver quelque chose de plus intéressant. Et je me suis rendu jusqu'en haut du phare et regarder ce qu'il y a là. On vient de revenir en fait sur le bateau et ça a été comme une petite expédition en fait parce qu'on n'avait pas de bateau qui nous amenait de l'île jusqu'à notre bateau, donc on a comme escaladé, on a pris un petit bateau qui était en train de flotter et on s'est rendu finalement. Oh, maintenant il faut retourner. Oui, c'est l'heure de rentrer à la maison. Là, on va aller manger quelque chose parce qu'on a super faim, puis je pense qu'après ça, on va aller dormir, non? Oui. On est un peu fatigué. Qu'est-ce que c'est alors? C'est le lendemain de notre journée sur le bateau. Ça a été vraiment super. Quand on est rentré à la maison, le beau-père de la sœur Isaac nous a préparé un super risotto à la truffe noire. C'était juste trop, trop bon. Isaac a mangé, je pense, 4 assiettes. Et puis après ça, on s'est couché, on était super fatigués. Et là, aujourd'hui, on a plein de choses à faire. On va vous tourner une vidéo spéciale dégustation avec Isaac. La pastèque qui va exploser. Et ça, c'est sur ta chaîne. Et oui, sur ma chaîne, on fait une dégustation que tu m'as préparée, une surprise. Ça, ça va sans doute déjà être en ligne quand vous allez voir ce vlog. Alors, le lien va être dans le i ou dans le descriptif. On va passer une journée ici dans la villa. Et je me suis préparé avec ça. C'est pour moi, ça? Non! C'est un shampoing et on va faire un petit lavage pour Paco. Alors maintenant, le shampoing commence. Petite douche, ça, c'est Paco, hein? C'est un super gros chien, mais il est tellement gentil. Il est adorable. Hein, Paco? Ouh là là! Oh! Ça commence bien. Première étape, on lave avec de l'eau. Tu fais ça bien, hein? Tu fais ça très bien. Maintenant, on éteint. Attention! Je pense qu'il est plus curieux par la caméra que par son shampoing. Hein? La petite crosse. Il va sentir bon le Paco. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un laver son chien avec un beau petit chapeau comme ça. Hein? On en est allé, il faut que ça soit en classe. Après ça, c'est toi qui va devoir prendre ton bain. Moi, je vais aller dans l'eau. Je vous montre la technique. Regardez comme il fait les poils. Pas comme ça. Ça, il aime. Oh, oh, ben, c'est bien. Oh, oh, on l'a perdu. D'accord. Oh, oh. Je pense qu'il faut quand même faire un petit update de ton état. Hein? Garde tes jambes. T'es tout sale. Je pense qu'il va falloir te donner une douche à toi aussi. Je vais sauter dans la piscine. Dans la piscine ou dans la mer? Dans la piscine et après dans la mer. Ok. Ah voilà, ça c'est mieux, non? J'ai pas de portable. Tu y vas comme ça? Bye bye! Je pense que Paco aussi veut y aller, hein? Prends mon chapeau! Oh non, Paco! Paco! Bon, j'ai réussi à sauver ton chapeau, mais il est pas en super état. Là, on a relaxé un petit peu et je regarde, je lève mes yeux et qu'est-ce que je vois? Un super beau coucher de soleil, je vous le montre. Regardez ça, c'est vraiment super beau. C'est comme un coin de paradis ici. On va zoomer.
peu trop proche. Et pendant le coucher de soleil, je dois faire... je dois plier les vêtements. Voilà, au travail. Moi, je préfère rester ici, juste là, regarder la vue. Non, ça va être encore mieux. Là, dans l'eau. En fait, la grotte, elle est derrière le truc, là, derrière, en dessous, vous allez voir. Oh, ça fait peur. Geht's los, Karina? Ready! Il prépare la GoPro. Oh! Maintenant, c'est à moi. Je me déshabille et je le suis. Elle est déjà dedans, c'est fou. L'eau est tellement chaude. Allez, dépêche-toi. Allez, plus vite. Karina. On y va. Non, moi je me suis trouvé une petite roche là ici. T'es pas triton là, viens. Ma soeur vient de me dire qu'il y a des serpents. J'ai peur, moi je vais plonger. Ici je trouve un crabe. Ah oui? Il est caché là, là. Ah oui. Oh, die beißen aber. Ah oui, en planche. Mais attends, c'est trop beau ici là. C'est juste un truc de malade. C'est comme une plage de sable qui était comme cachée à côté du rocher. Attends, je vais aller chercher du sable pour vous montrer. Yeah. Moi je peux passer la semaine ici hein. Dans l'eau? Ouais. Waouh, j'ai les yeux tout rouges. Oh. En tout cas c'était génial. On s'est bien amusé, je pense. C'était fantastique. Moi, j'ai trop aimé cette petite expérience d'aller découvrir cette petite grotte. C'était tellement beau. On a vu quelques petits poissons, mais honnêtement, juste la couleur de l'eau et tout ça, c'était dingue. J'ai vraiment les yeux comme si j'avais pleuré toute la journée. Moi aussi. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas encore mangé ma pizza aujourd'hui. Allez, on va aller manger là. C'est déjà prêt. Moi, je vais me mettre là à côté. Miam, 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 miam. On vous a pas montré encore la chambre, la clim, le grand lit, tout est fermé parce que sinon les mosquitos vont rentrer. Très confortable le matelas. On va manger des pâtes avec tomates et du ricotta. Très frais. Avec cette vue là, ça va être fantastique. Je mettrai encore plus du parmesan, parmigiano. Normalement je n'ai pas le droit parce qu'après la sensation du ricotta, ça se perd, mais je mettrai encore un peu plus. Très bon comme ça. Oh, on a bien mangé, on a tellement bien mangé, je suis vraiment... J'ai plus faim là. Toi? Moi j'ai très bien mangé, mais j'ai toujours encore un peu de place. Je viens de manger un petit Milky Way que tu m'as fait découvrir. Une petite gourmandise? Oui, c'était très bon. Voilà, en tout cas, moi je vais me reposer maintenant un petit peu et après on fait quoi? Je sais pas, on retourne se baigner dans la mer. Et vous savez quoi qui fait toute la bouffe? C'est Lilibet, elle fait tout ça, c'est trop trop bon. Elle cuisine trop bien. Coucou Lilibet. Hello. C'est très bon qu'est-ce qu'elle fait. Bye. Bye. Je vais vous montrer ce que Isaac fait après avoir mangé durant les vacances. Regardez bien.
La seule chose, c'est que ça fait comme 30 minutes qu'il dort et moi, j'ai vraiment envie d'aller me baigner dans la mer. Alors, on va essayer de le pranker ensemble. Je vais chercher une grosse bouteille d'eau glacée et je vais l'arroser. J'ai récupéré une bouteille. Bon, elle est quand même froide. Hein? Elle n'est pas glacée, mais elle est très froide. Et on va aller lui verser sur la tête. Je me suis bien installé. Maintenant, je vais être capable de viser sur sa tête. Oh non! Ça faisait trop longtemps que tu dormais, moi j'ai envie d'aller me baigner là. Je sais que ça sent la remonte. Hein? Allez, viens, on va se baigner. Non, je veux dormir. Je suis très content, mon prank a super bien fonctionné. En plus, il va venir se baigner avec moi. La seule chose, c'est que je pense que sa revanche va être terrible. Je dois m'attendre au pire. C'est pas grave, en attendant, je vais aller me baigner.